Comme c'est Gakomi, tranquillement, relax. Je vais faire juste encore une entrée ici. Donc, contact, hein, mais justement sans se faire embarquer. D'accord. Et ici, tout de suite, on l'emmène ici de côté. Donc, contact sur lui, on l'emmène de côté. Et bon. Si vous arrivez ici, au niveau du ventre, hein, donc ici, hein, la double rotation. D'accord, et on va y aller doucement, parce qu'on va faire en fait un surbouclé. D'accord. Il arrive ici, là, je le projette. D'accord. L'idée, c'est, comme à l'instant, c'est que ici, je prends contact avec son bras, son coude, rentre ici à l'intérieur, je reprends le contact sur le coude, et avec mon corps, je le balance. Ok. Donc, ici. Quand il attaque chemelle, en fait, l'idée c'est ici de rentrer, de dévader le cou. D'accord. Et ce qu'on voit ici, c'est que si je suis ici, je ne peux pas prendre le sabre. D'accord. Et donc, et pourtant, quand je suis ici, je peux quand même le lui prendre. Pourquoi ? Je vais me côté, ce moment. Parce qu'en fait, ici, au lieu d'essayer d'esquiver, de rentrer sur lui, d'accord ? Je vais accompagner son geste, ici prendre son centre, l'emmener un peu vers l'avant, et maintenant, vous voyez ce qu'on vient de travailler. D'un côté ? Oui. Donc ici, je rentre sur lui, je l'accompagne, je l'emmène un petit peu vers l'avant, je prends son contact avec lui ici, et là, je peux l'emmener. Et on va travailler des leviers. Donc si on le fait de manière plus classique, en fait, je rentre ici, entre ses mains. D'accord ? C'est ça que je connais. Voilà. Donc ça, c'est plus classique, et en fait, le problème, c'est que très vite, ici, on va travailler des leviers. Donc des enveloppes, donc on a la tendance à vouloir travailler en force. D'accord. Donc, quand il arrive ici, il rentre ici, et je fais ça. Mais on a l'impression que je l'ai fait avec sa poignée. Alors que c'est pas ce que je voulais, c'est pour ça que je voulais vous affaiblir votre saisie devant. D'accord. Donc, ici, il arrive ici, je rentre ici, là, ici, je pousse en avant avec ça ici, et là, ça, c'est ça qui est important. Ça ici. Et parce que maintenant ici, je vais balancer avec ça. Pas avec la main, mais avec ce contact-là. Là, en fait, on a vu, je laisse rentrer et je rentre ici. Ok. Et après, on ne sait jamais de quel côté on se trouve. Donc on peut très bien se tromper de côté, je laisse rentrer et je retrouve de l'autre côté. Là, vous regardez, vous voyez que là, c'est compliqué. Là, parce que ben, là... c'est plutôt lui qui va faire des trucs maintenant. Et donc lui, justement, il aimerait bien faire des trucs comme ça, et du coup, on va profiter. Je vais faire un chenac. Donc il arrive, je me trompe de côté, lui il essaie de me faire ici, voilà, et du coup, chenac. Évidemment, s'il ouvre le coude, lui, ça ne marchera pas. Hein, mais il faudra faire autre chose. Le coude, c'est-à-dire... C'est que ici, tu essaies pas d'attaquer mon coude, mais au contraire, de partir vers là. D'accord. Parce que là, si j'essaie de venir là, j'ai aucune chance de passer. Mais là, je m'en fous, parce que ici, je vais venir. Hein, comme toujours, on va changer de côté, ça va donner côté caché. Ça passe pas, de toute façon. Non, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, il essaie de me faire moi... D'accord. Ici, ça nous dit qu'il nous naguait, ça marche moins.